Voilà. Alors, il y a une mitzvah qui nous concerne chaque jour, c'est se souvenir au moins deux fois par jour de Yitzhak Mitzrayim. Kol yemechayecha, kol yemechayecha, yemechayecha, hayamim, kol yemechayecha la vie à l'élot. Alors évidemment, la raison, c'est que la Emouna doit être ravivée, renforcée chaque jour, au moins deux fois par jour. Comme certains disent, il y a des médicaments qu'on prend une fois par mois, il y en a qui en prennent une fois par semaine, une fois par an, il y a des médicaments qu'on prend deux fois par jour. Quand on a besoin d'être renforcé dans certains domaines, deux fois par jour. Yitzhak Mitzrayim, c'est un médicament qu'on doit prendre, entre guillemets, positif, qu'on doit prendre au moins deux fois par jour pour se souvenir des merveilles de Yitzhak Mitzrayim et renforcer notre Emouna. Mais on va essayer de voir qu'au-delà de la Emouna, il y a aussi quelque chose que l'on doit tirer de Yitzhak Mitzrayim au quotidien. Yitzhak Mitzrayim, c'est la naissance du Ham Israël. C'est une naissance. Comme c'est marqué dans le Navi, qu'Hachem est venu prendre Goy Mikerev Goy. C'est-à-dire qu'il y avait un peuple qui était dans la matrice d'une autre nation, une nation dans la matrice d'une autre nation. La Kachat lo Goy Mikerev Goy. Ouais, c'est une naissance. Yitzhak Mitzrayim était une naissance. La naissance du Ham Israël s'est faite donc en Mitzrayim. Et ce souvenir de Yitzhak, il y avait des Mitzarim comme toute naissance. Il y a une limite que le fœtus ne peut pas dépasser pendant un certain temps. Et le temps de la naissance, c'est que dorénavant, il est plus limité. Il peut sortir dans le grand monde. Ouais, il y a des Mitzarim où on ne pouvait pas se défaire pour naître. Et lorsque est arrivé le moment, il y a et Dodim. Alors il y a la naissance du Ham Israël et qui donc s'extrait des limites dans lesquelles il se trouvait à l'intérieur de, entre guillemets, la matrice égyptienne. L'Égypte a constitué une matrice qui a permis au Ham Israël de se développer, il faut expliquer comment, et de naître un certain jour. Et chaque jour aussi, nous évoquons Yetziat Mitzrayim pour nous enseigner et pour nous rappeler qu'un homme, chaque jour, doit naître à nouveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce matin, je dois faire naître une partie de ma personne une nouvelle fois. Demain, il faut que quelque chose en moi qui était limité naisse à nouveau. À chaque fois, un homme ne naît pas homme, il doit devenir un homme. Et chaque jour, il y a une naissance. Chaque jour, il doit faire naître quelque chose en lui. Nous sommes. Baruch HaShem est imprégné d'un potentiel qu'HaShem nous a offert. Ce potentiel somnole, il n'est pas encore né. Il faut na faire naître chaque jour quelque chose d'autre. Okay? Un homme doit naître chaque jour. Un homme doit naître chaque jour. Une nouvelle naissance chaque jour. Exactement comme Yetziat Mitzrayim, c'est la naissance du Ham Israël. Un homme doit naître chaque jour. Pour preuve, c'est explicite dans la Torah presque. Il y a marqué, lors le projet de la création de l'homme, HaShem dit au pluriel, « Naaseh Adam Betzalmenu » Kilmutenu, Naasé, c'est au pluriel. Et alors que la Torah vient véhiculer le monothéisme à une période un petit peu trouble de l'humanité où il y avait beaucoup de déviations. Et d'emblée, on a l'impression que la Torah, a priori, induit en erreur en utilisant le pluriel de Naasé. On va dire, c'est Shem est l'unique créateur. C'est-à-dire quoi Naasé? Certains des Sfarim m'expliquent que Naasé, Hashem s'adresse à l'homme. Il est le seul créateur, mais faisons l'homme que tu dois devenir. N'est-ce pas? Adam, c'est quand on prend le mot Adam qui est Atem Kouim Adam. La Mishnah dit, Rabbi Shimon Bar Yochai dit Adam qui amud Baël, Atem Kouim Adam. Le Adam, le Yehudi, il s'appelle Adam. Aleph Dam. Il y a trois associés à l'homme. Av, Em et Akadosh Baruch Hu. Av, c'est 3, Em, 41, Gematria, 44. Dam, c'est le symbole de la vitalité physique. Il y a ensuite Hachem, qui est Yechido Shel Olam, le Aleph et le Dam. Donc celui qui fait précéder le Aleph au Dam, c'est ça donc la naissance. Le Aleph, c'est la part de l'unique. Yud, Vav, Yud, qui constitue le Aleph. Quand on fait précéder le Aleph au Dam, c'est là véritablement qu'on réalise cet homme. Il y a une naissance du Aleph qui doit s'extraire du Dam et qui doit donc apparaître un peu plus chaque jour. Si aujourd'hui je suis comme j'étais hier, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui est mort. Si aujourd'hui je suis différent positivement de ce que j'étais hier, alors j'ai extrait quelque chose de vivant de ma personne. Et chaque jour, c'est un nouveau jour, chaque jour une nouvelle naissance.
Ça, c'est Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, c'est une naissance. Alors, tu dois te souvenir de Yetziat Mitzrayim où chaque jour, tu dois sortir des Mitzrayim pour... Pardon ? C'est quoi le critère d'hier par rapport à qui me dit que j'ai changé aujourd'hui en... Je ne sais pas. C'est moi qui dois essayer de... On va tout de suite voir comment on est. Ouais, mais en tout cas, premièrement, c'est le devoir d'un homme de sentir qu'aujourd'hui... Alors, on ne sent pas toujours... On change et il y a quelque chose en nous qui est né par rapport à ce qui était hier. Nouvelle naissance, j'existe différemment. J'existe avec une nouvelle dimension, une nouvelle perception, une nouvelle connaissance. Il y a quelque chose en moi qui est né. Maintenant, comment on fait pour naître ? Bonne question. Comment on fait pour naître ? Parce qu'a priori, une naissance n'est possible que lorsqu'on est, il y a un père et une mère. Donc il faut être dans une matrice pour pouvoir naître. Et c'est ce qui passait en Mitzrayim. Mitzrayim, avec tout l'esclavage qu'il y avait, il y a quelque chose qui a permis au Am Israël, qu'il faut expliquer que ce n'est pas le moment, de naître. Ouais, Hachem n'a pas mis en Mitzrayim Stam. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui on est ? Alors, si on observe un petit peu l'étymologie du mot M, quelle est la racine du mot M ? Mère, maman. L'étymologie du mot M, c'est Im, c'est le contexte. Im, c'est le conditionnel, c'est-à-dire la mère, c'est elle qui crée, depuis la conception et tout au long de l'existence de quelqu'un, la mère, c'est elle qui a la vocation de créer le contexte, les conditions pour permettre à ce qui est en elle, ce qui est dans le contexte qu'elle crée, de se développer. C'est ça, c'est la mère, c'est celle qui crée les conditions. C'est celle qui crée les conditions. M, simulation, im, c'est les conditions. Si c'est comme ça, voilà ce qui va se passer. Donc, si c'est comme ça, voilà ce qui va se passer. Si elle crée les conditions, alors voilà ce qui va se passer. Le mot av, quelle est l'étymologie du mot av ? L'étymologie du mot av, c'est volonté. Comment on dit te'avon ? Te'avon, c'est l'appétit, la volonté. Et comme Eliezer dit à Avraham Avinu, il l'interroge, im lo tove ha'isha lavo acharai. Ouais, lo tove. Si elle ne veut pas venir avec moi. Ou bien Evion, quelqu'un qui est extrêmement pauvre et qui est assoiffé de tout. On l'appelle un Evion. Lachon, Te'avon, Evion, Tove, tout ça c'est le même racine. Le Aleph Bet, c'est la volonté. La racine Aleph Bet. Le Av, c'est celui qui donne la référence. On ne peut vouloir si on n'a pas de référence. C'est un grand klal dans la vie. Si on n'a pas de référence, on ne peut pas vouloir. Vouloir quoi ? Vouloir le brouillard. Et quand on a des références, on souhaite, on veut leur ressembler. Donc s'il n'y a pas de référence, il n'y a pas de volonté. Il y a une volonté très dispersée, qui n'est pas ciblée. Donc une volonté qui n'est pas vraiment ciblée est une volonté malheureusement stérile. Je veux vouloir. Vouloir, ce n'est pas vouloir vouloir. Vouloir, c'est vouloir. Et pour vouloir, il faut avoir cette inspiration, ce av qui donne envie. Ça, c'est le lachon te'avon. Ça, c'est le av. Le av, il donne l'inspiration, la volonté. Et le m, elle donne les conditions adéquates. C'est toujours comme ça. Il y a le av et le m. Pour toute naissance, il faut un av et un m. Et dans notre vie aussi, il faut évoluer dans un contexte de m, qui permet, c'est-à-dire si quelqu'un il vit dans un contexte qui n'est pas du tout compatible avec la naissance qu'il doit donner à son être, donc finalement il naîtra pas. Il naîtra pas chaque jour. Il faut être dans une matrice constamment. Al titosh torat imecha. C'est-à-dire qu'il faut être dans une matrice constamment. Un homme, il doit être dans une matrice constamment. Pour avancer, il doit être dans une matrice. S'il n'est pas dans une matrice, alors il n'avance pas. Il n'avance pas. Et il faut aussi le père qui injecte quelque chose qui lui permet de développer. Donc ça, c'est le av et le m, c'est la complémentarité qu'il y a. Et lorsqu'il a ces deux complémentarités, la naissance devient possible. Et on ne le sent pas forcément toujours, chaque jour que je suis né. Lorsqu'on fait un récapitulatif après 6 mois, après 3 mois, 6 mois, ouais, on voit qu'il y a quelque chose. Ça, c'est incontestable. Celui qui est véritablement né, il le sent au bout de quelques mois. Il sent qu'il y a quelque chose dans lui qui a changé. Il est un être meilleur sous diverses facettes. Ça c'est donc le yesod de Yetziat Mitzrayim. Il faut se souvenir de Yetziat Mitzrayim pour savoir que Yetziat Mitzrayim n'est pas au quotidien. Pour savoir que Yetziat Mitzrayim n'est pas un élément du passé. C'est un élément au quotidien. Chaque jour, il faut sortir de Mitzrayim.
Chaque jour, il faut naître exactement comme nos ancêtres sont nés. Chaque jour, il faut évoluer dans une matrice qui nous permet de... Alors, évoluer dans une matrice, c'est ça que je leur ai dit hier. Je leur ai dit que, c'est là, j'évolue dans une matrice. Alors, je ne suis pas toute la journée dans cette matrice, plus ou moins. Mais la réponse, elle est comme ça. Le lieu d'étude dans la Torah, comment est-ce qu'il s'appelle ? Un lieu d'étude dans la Torah. C'est pas marqué le mot Betamidrash la Torah. Ça, c'est marqué dans la Mishnah. Dans la Torah, comment il s'appelle? Ohel. N'est-ce pas? Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Yoshua Binu Nar Lo Yamish Mitocha Ohel. Venata et Aholo, Moshe Rabbeinu Nata et Aholo. Le Ohel, c'est le nom toujours de lieu d'étude. Ce qui, a priori, est étonnant parce que le lieu d'étude doit être un lieu investi, un lieu dans lequel on a investi du solide. Un Ohel, c'est la fragilité, n'est-ce pas? Alors, on aurait plutôt dû employer le terme Bait. On emploie le terme Ohel. La réponse, à mon avis, est très claire. C'est qu'en réalité, l'objectif, c'est le Ohel, on peut le déplacer. Le Bait, c'est fixé, c'est fini. L'objectif, c'est comme un homme, pour naître chaque jour, doit évoluer dans une matrice, alors il peut pas, il peut la déplacer. C'est-à-dire que quand il sort d'un lieu, il ne le quitte pas. Ce lieu l'accompagne. Quand il sait s'en imprégner, ce lieu l'accompagne de telle façon à ce qu'il évolue constamment en ce lieu. Il n'y a pas quelque chose de ponctuel, après il sort. On ne peut pas évoluer à l'extérieur de la matrice. Il faut toujours être dans ce conditionnement. Ça, c'est pour ça que quand il y a marqué dans la Mishnah dans Brachot, que quand quelqu'un rentre dans le Beit HaMidrash, qu'est-ce qu'il dit? Yehi ratzon shelo kasher bidvar halakha, velo mar al tameh tahor, velo al tahor tameh, etc. Il prie pour que tout se passe bien dans le Beit HaMidrash. Alors que quand il sort, bodé ani lefanecha, shesamta chelkim yoshve Beit HaMidrash, velo samta chelkim yoshve kramot, il remercie Hachem de lui avoir donné un Beit HaMidrash, de lui permettre d'évoluer dans le Beit HaMidrash. Shesamta chelkim yoshve Beit HaMidrash. Ça, c'est... Alors, Rav Shach, il disait, où est-ce qu'il est plus dangereux d'évoluer? Dans le Beit HaMidrash ou dehors? Dans la rue? Non. Si déjà, quand tu rentres dans le Beit HaMidrash, il y a Ratzon, que tout se passe bien. Alors, à la Chad Kaba Vechama, que quand tu sors du Beit HaMidrash, tu devrais demander à Shem Yiratzon que tout se passe bien. On ne sait jamais la rue. Hein? Un homme n'est jamais aussi vulnérable que quand il se sent invulnérable. Donc, il y a des... etc. C'est ma pshat. Le pshat, il est que quand quelqu'un, il remercie Hachem de lui avoir donné un Beit HaMidrash, alors finalement, il ne le quitte jamais. C'est la meilleure tefila, c'est la meilleure préparation qu'on peut faire. Chez Samta Chelki. C'est-à-dire, pshat, ou merci, et puis finalement, là où je vais, ça m'accompagne. Et donc, viens, je ne le quitte pas. Alors, je ne dois pas faire une tefila... Yeratson, que ça se passe bien à l'extérieur du Beit HaMidrash. Il n'y a pas à l'extérieur du Beit HaMidrash. Merci Hachem de m'avoir donné un Beit HaMidrash. Et là, et quand je sais véritablement l'apprécier, là où je vais, il m'accompagne. Quand je rentre, alors évidemment, je sors de la rue. Nous, alors il faut encore une nouvelle prina. Ça, c'est... Mais lorsque j'ai acquis une prina, alors elle m'accompagne. Ça, c'est un Ohel. Et ça, c'est la matrice qui doit nous accompagner chaque jour. Le Hav qui nous donne envie, qui nous inspire, le M, le conditionnement qui nous permet donc d'évoluer dans un lieu favorable. Et lorsqu'on a le Av et le M, alors on peut renouveler Yitziat Mitzrayim chaque jour. La Kachat Goy, Mikirev Goy, chaque jour. Évidemment, l'aboutissement de Yitziat Mitzrayim, c'est la Shira. Ça veut dire que la Shira, c'est quand on sait naître, alors on sait chanter, on sait faire chanter, on sait... Et être enchanté avant tout. Et ça, c'est donc le processus de Yitziat Mitzrayim qui est en réalité un processus qui se reproduit chaque jour en chaque être. Et c'est la raison, l'une des raisons que l'on peut donner pour cette mitzvah de Yitziat Mitzrayim qui est celle de la Emouna, mais en même temps de sortir des Mitzarim chaque jour un peu plus.